En Allemagne, au temps du coronavirus, tous les médias annonçaient quotidiennement les RKI-Zahlen, les chiffres du RKI. Nombre de nouveaux patients hospitalisés, nombre de décès, incidences, etc., etc. Ce sigle RKI est celui du Robert Koch Institute, un institut de recherche médicale situé à Berlin et créé en 1891. En France, si ce sont les instances gouvernementales qui centralisent les chiffres de l'évolution du corona, les médias se tournent sans cesse vers les experts de l'Institut Pasteur à Paris pour commenter ces chiffres et livrer leurs expertises. Institut Pasteur, Robert Koch Institute. Voilà deux grands instituts de renommée mondiale, deux instituts baptisés du nom de leurs fondateurs, Louis Pasteur et Robert Koch. Mais savez-vous que ces deux scientifiques se sont livrés une guerre sans merci, une guerre pas toujours franchement glorieuse, mais qui a peut-être eu des incidences bénéfiques sur la recherche? Alors, commençons par Louis Pasteur, le plus âgé des deux. Ce grand scientifique, chimiste et physicien, est né en 1822. Il se fait rapidement un nom quand ses études sur la fermentation l'amènent à mettre au point le processus de pasteurisation. C'est le fait, pour conserver les aliments, de les chauffer à une température comprise entre 85 et 100 degrés durant une courte période. Tandis que Pasteur poursuit maintenant ses travaux sur les microbes, voilà qu'il apprend qu'un médecin allemand, né en 1843, donc de 20 ans plus jeune que lui, vient de publier les résultats de ses travaux sur la maladie du charbon et sur sa propagation, une maladie qui affecte les bovins de la campagne dans laquelle il s'est installé. Et de surcroît, ce jeune médecin travaille tout seul, sans équipe. Pasteur voit rouge. Même s'il reconnaît la qualité du travail de Koch, celui-ci empiète sur son domaine de recherche. Évidemment, Koch voit les choses différemment. Pour lui, la maladie du charbon, c'est son domaine. Cette concurrence va pousser Pasteur à jouer quitte ou double. Pour prendre de vitesse Robert Koch, Louis Pasteur et son équipe décident en 1881 de vacciner un troupeau de moutons à Pouilly-le-Fort, dans le sud de Paris. C'est un succès. Peu après, Louis Pasteur et Robert Koch se rencontrent lors d'un congrès à Londres. Si, dans sa conférence, Pasteur ne rend pas justice à Koch pour ses avancées, il le félicite toutefois pour l'invention de la microphotographie, un procédé que le médecin allemand a mis au point pour photographier les observations faites au microscope. Pourtant, de retour à Berlin où il s'est installé, Koch publie un article au Vitriol contre Pasteur. Et il entreprend ce que Pasteur n'a pas encore fait, s'attaquer à une maladie humaine, la tuberculose. Koch va ainsi découvrir ce fameux bacille de la tuberculose qui porte depuis son nom en français, le bacille de Koch. Toutefois, le vaccin qu'il pense avoir découvert, la tuberculine, se révélera inefficace et parfois même dangereux. En fait, il faudra attendre 1921 pour que le premier vaccin contre la tuberculose soit découvert. Pasteur va profiter de cette faiblesse pour lancer une diatribe féroce contre son concurrent au congrès de Genève de 1882. Durant cette conférence, une erreur de traduction va définitivement envenimer la relation des deux savants. Une erreur qui ne manquera pas d'intéresser les carambolingiens. Tandis que Pasteur parle d'un recueil allemand, Deutsche Textsammlung, pour désigner les écrits de Koch, le traducteur comprend « orgueil allemand » Deutsche Überheblichkeit. Koch proteste aussitôt avec véhémence, tandis que Pasteur, qui ne sait rien de ce contresens, demeure de glace. Il faut replacer ces controverses d'éminents scientifiques dans le contexte politique de l'époque. La défaite de 1870 de la France contre la Prusse et la perte de l'Alsace-Lorraine ont fait de Pasteur un ardent nationaliste. Les querelles de nos deux savants sont aussi des querelles d'un orgueil national exacerbé à cette époque entre les deux pays. Un an plus tard, une grave épidémie de choléra éclate en Égypte. Pasteur envoie une équipe sur place, tandis que Koch est envoyé par l'État allemand. Les équipes rivalisent autant qu'elles le peuvent, mais l'acmé est atteinte quand le choléra débarque à Toulon et que l'État français fait appel à Koch pour tenter de vaincre l'épidémie. Koch est même décoré par la France. Pasteur, foudrage et dépité, va se tourner alors vers une autre maladie, la rage. Et c'est à Paris que le premier vaccin humain contre la rage va voir le jour,
le 6 juillet 1885, Pasteur vaccine le petit Alsacien Joseph Meister. Ce succès lui vaut désormais une réputation mondiale. Et quand, en 1888, l'Institut Pasteur est inauguré, Louis Pasteur est au sommet de sa gloire. Dans la foulée, en 1891, c'est à Berlin qu'est inauguré le Robert Koch Institute, construit sur le modèle de l'Institut Pasteur. Quand Robert Koch, qui a repris ses recherches sur la tuberculose, croit, pour de bon cette fois, avoir vraiment découvert le vaccin, Pasteur consent à lui envoyer un télégramme de félicitations. Monsieur Pasteur et les chefs des départements de l'Institut Pasteur envoient leurs félicitations à Monsieur Robert Koch pour sa grande découverte. Bon, ce vaccin s'avère encore une fois un faux espoir. Et quand Pasteur meurt en 1895 et a droit de solennelles funérailles nationales, c'est au tour de Koch d'envoyer un beau message à l'Institut Pasteur. Robert Koch va continuer ses recherches sur les maladies tropicales, recevoir le prix Nobel de médecine créé entre-temps et s'éteindre en 1910. Et c'est au tour des équipes de l'Institut Pasteur d'envoyer un message élogieux. On pourrait alors croire l'âge de guerre enfin enterré. Pourtant, les deux instituts rivaliseront encore férocement dans leurs recherches avant que la Première Guerre mondiale ne redistribue les cartes et n'engendre une nouvelle ère de la médecine et de la recherche. Une chose semble toutefois avérée, si les querelles d'égo ont coûté beaucoup de tracas et d'aigreurs à nos deux grandes icônes nationales et à leurs équipes, leur rivalité aura certainement permis de griller quelques étapes et d'avancer plus vite dans leurs recherches au profit du progrès médical de l'humanité.